qu'au moment où l'année tourne sur ses gonds, quand, disait-il, les arbres font dentelle. Et ce soir, je crois qu'on peut le voir, ce sont ces moments où le givre saisit la nature. Lorsque tout semble mort, lorsque tout semble triste, lorsque tout parfois semble perdu, morose, il faut penser printemps. Non pas penser printemps, pas penser printemps pour s'émerveiller, pour s'émerveiller. Non pas penser printemps, pas penser par, printemps bêtise, par bêtise, ou par une forme, par de, une béatitude forme médiocre, de béatitude médiocre. Mais penser printemps parce que, printemps au, moment parce même, au moment même où cette désolation s'installe, cette dans, désolation la nature, s'installe dans la nature, quelque chose se prépare, quelque chose se prépare qui est déjà là. Qui est déjà là. Alors certains ne le voient pas, ne le voient pas, ne veulent pas le voir, ne veulent pas le voir. Certains peuvent désespérer, certains peuvent désespérer. Mais le printemps revient, mais le printemps revient. Mais il est déjà gros dans l'hiver. Il est déjà gros dans l'hiver. Il est déjà là. Alors ce soir, pour vous et vos familles, pour nous tous, pour nous tous, je veux vous dire de penser, de penser printemps. Et penser printemps, et penser d'abord. D'abord. Cela veut dire ne pas nous affaisser, ne pas nous affaisser, ne jamais accepter, ne jamais accepter le quotidien, le quotidien, les peurs, les peurs, les doutes, les doutes.